Je suis ici à Medjugorje, à côté de la maison ancienne de la missionnaire Riska, et je suis avec, comment tu t'appelles? Annelise. Et? Sean. Et vous venez d'où? De France. Et première fois ici? Non. Combien de fois tu étais ici? Beaucoup. Beaucoup. Tu es un guide? Oui, je suis guide, oui. Et pourquoi tu es guide? Pourquoi tu es tellement attiré de venir ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été converti ici, et à force de venir, j'ai tellement reçu. J'ai senti le don naturel de redonner ce que j'avais reçu. Je voulais que chaque pèlerin puisse découvrir tout ce que j'ai reçu, toutes les grâces reçues, toutes les grâces de conversion, la grâce de venir se confesser ici, la grâce de sentir tellement cette belle paix, de faire l'expérience de la foi ici. Et donc, à force de recevoir, j'ai eu envie de partager. Et en fait, mes parents avaient une agence de pèlerinage, donc c'était facile à trouver le don de se donner au service. Mais, j'aime beaucoup cette vocation et avec ma femme, on a ouvert notre agence de pèlerinage donc il y a quelques mois, l'agence L'Espérance. Et donc, on organise notre premier groupe en ce moment. Et comment tu as un site internet pour les gens français qui veulent venir? Oui, tout à fait, c'est espérance-pèlerinage.com. Super. Donc, on fait. Dans la description de la vidéo. Très gentil, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as reçu ici? Ta femme. Ma femme, pour commencer. Wow, t'as la chance. Tu sais, on est mariés depuis même pas 2 mois, donc oui, c'est très récent. Oui. Oui. On a reçu tellement, merci beaucoup, merci Seigneur, c'est un beau cadeau. Très belle grâce, oui, de recevoir sa vocation ici, de mariage à Medjugorje, c'est pas donné à tout le monde je pense, mais c'est une très très belle grâce, oui. Recevoir sa vocation et pouvoir mettre en place, se mettre au service des autres en couple, et porter du fruit grâce à la gospa comme ça, c'est une très belle bénédiction. Peut-être beaucoup de responsabilités, mais une très, grande, très belle grâce. Et pour toi, qu'est-ce que tu as reçu à Medjugorje? Alors, de ton mari, une grosse conversion, vraiment très très grosse conversion pendant une confession en fait. C'est ma mère qui a voulu que je vienne à Medjugorje, moi je voulais pas, mais j'ai quand même accepté. Et pendant les 3 premiers jours, j'avais envie de partir. Je me sentais très mal, tous les gens qui priaient, ça m'attirait pas. Et en fait, Sean était le guide et il nous avait dit que la confession était très importante. Bon, en bon élève, je suis allée me confesser et j'étais convertie, vraiment retournée comme une crêpe. C'était incroyable. Complètement changé. Complètement changé, ah oui, complètement. Et le résultat, tu pries le rosaire maintenant, le chapelet? Oui, on le prie ensemble, on essaie d'aller tous les jours à la messe. Ah oui, c'est un gros changement. Et on dit un couple qui prie ensemble le chapelet, ça aide au mariage, c'est fait? En fait, on dit que la prière engendre l'amour, et c'est vrai. C'est vrai? Oui. Bien sûr. Oh oui, on fait l'expérience tous les jours. Mais qu'est-ce que ça porte la prière en commun? En fait, on se branche à la source. Dieu est la source de l'amour. Donc en se branchant, en se tournant vers lui, on reçoit l'amour, on le partage. C'est magnifique. Je le souhaite à tous les couples de pouvoir vivre ça, ce témoignage-là d'amour. Oui. Se brancher à la source. Et qu'est-ce que tu as? Comment ta conversion aussi? Alors moi je viens, la première fois je suis venu en l'an 2000, pour le 15 août, j'avais 14 ans. Je venais en famille sans savoir, j'avais pas choisi. Mon père faisait son deuxième groupe à l'époque et il restait des places dans le bus. Et donc je suis monté dans le bus parce que j'étais en vacances scolaires. J'avais pas envie de venir, je suis venu malgré mes parents. Mais j'ai découvert cette paix sur place et j'ai fait la rencontre de plusieurs jeunes que j'ai gardé contact. Mais c'est vraiment ce lieu qui m'a attiré. Parce que c'était très simple et en même temps tout le monde était simple et dans la joie, une paix. Et ça se sent au contact. En fait, les paroissiens, les enfants des tenants de pension, ils ont cette joie, cette paix qu'on ne trouve pas en France. Et donc, ça donne envie de revenir. Donc même tout jeune, on revenait, on allait à la messe, on allait écouter les jeunes du Cénacle, on allait dans différentes communautés, on recevait des témoignages très très forts pour notre jeunesse, c'était très important. Ça nous a formé petit à petit et donc ça nous a peut-être, ça m'a pas empêché de tomber dans des choses mauvaises. J'ai eu un côté de ma vie où je me suis posé des questions, j'ai rejeté, j'ai eu du combat. Mais grâce à Medjugorje, je suis revenu. Quand j'ai commencé à m'écarter de la foi, il me manquait quelque chose qui était plus fort que ces addictions dans lesquelles je suis tombé. Et petit à petit, il y avait la drogue, il y avait l'alcool, il y avait beaucoup de mauvaises choses. Même les écrans, c'était les jeux vidéo, je pouvais passer des nuits à jouer sans m'arrêter. Je tombais facilement dans les addictions en fait, c'était un problème, je tombais facilement. En fait, quand j'avais pas Dieu, vraiment la première place, plein de choses pouvaient prendre la première place. Et j'allais dans l'extrême dans la drogue ou l'extrême dans l'alcool.
je m'endormais complètement alcoolisé. C'était une période entre 20 et 22 ans, 23 ans à peu près, 2-3 ans de ténèbres, vraiment d'enfer. Qu'est-ce que tu dis aux gens maintenant? Il y a tant de gens qui passent. Dieu nous aime tellement, mais il a donné sa vie pour nous, on est bénis jusque-là. Si seulement on se tourne vers lui, si seulement on le mettait à la première place, faites l'expérience, vraiment juste une fois, vous ne le regretterez jamais. De venir ici, de s'ouvrir à Dieu, de croire à Dieu. Dieu se trouve dans chaque tabernacle, dans chaque église, il se trouve dans chaque frère et sœur qui se tourne, chaque pauvre qu'on peut aider, chaque geste d'amour, Dieu est là. Exactement. Faites l'expérience. Comment s'intéresse les yeux, dit les petites choses avec amour, ce sont les grandes choses. Non? Amen. Et tu sais, la confession est très forte, et c'est très important. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur d'aller se confesser parce que tout le prêtre, ça arrive. Va dire, on a souvent le cas. Des personnes qui se disent, moi je me confesse tout seul à Dieu directement. On a des personnes qui se disent qu'on n'a pas besoin, je ne fais pas de péché parce que je ne tue pas, je ne vole pas. Mais je leur dis, regardez, reprenez les commandements. Premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, toute ta force, toute ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux dire que tu fais ça tous les jours, tout le temps? Non. Donc déjà, on commence par là. Est-ce que tu mets Dieu à la première place? Bon, pas toujours. Donc là, tu peux dire, bon, pardon Seigneur, là, tu vois, le prêtre va t'aider. Le prêtre va te poser des questions, il va t'amener petit à petit, parce que tu n'as pas forcément l'habitude de te confesser tous les mois. On a perdu la tradition en France de le faire. Donc quand tu reviens ici à Medjugorje, tu fais la démarche, enfin, tu comprends que c'est simple, une confession. C'est pas, on veut bien pas se faire taper sur les doigts. C'est pas pour prendre une punition. On vient pour rencontrer Jésus à travers le prêtre, et le prêtre nous donne ce plus beau sacrement de nous effacer tous les péchés. En fait, Dieu nous a déjà pardonné, mais il nous invite à nous demander pardon et regretter nos péchés. Et c'est là qu'on coupe tous les liens avec toutes ces mauvaises choses, avec les addictions, avec les péchés. Et c'est la grâce de Dieu qui nous soutient pour ne plus recommencer. Exactement. Même expérience. Toi aussi. Incroyable, non? Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Vous allez vous rencontrer ici. Il y a beaucoup de gens à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Oui. Comment on le trouve? En donnant sa vie à Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Mm-hmm. Peut-être que, je vois souvent dans les groupes, on a environ 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes. Mm-hmm. Et souvent, les femmes ont moins de mal à donner sa vie à Jésus. Mm-hmm. Peut-être, je ne sais pas, une grâce de suivre la Sainte Vierge, comme voilà, on suit le Christ, Marie qui nous aide à je ne sais pas, je ne suis pas encore dans la... Qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi 2/3 de femmes? Parce que je pense que la femme est plus ouverte à l'amour, elle a besoin d'un papa, elle a besoin d'une maman, on est plus ouverte à ce genre de choses. C'est vrai qu'un homme, on va dire, c'est plus orgueilleux, ça a moins besoin de dire, moi j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Une femme, ça n'a pas peur de dire ça. Un homme, c'est un peu plus... Voilà, ça se suffit à lui-même. Donc, c'est comme s'il y avait cette pression pour un homme de dire je suis capable, j'ai pas besoin des autres, je veux montrer que je sais. Donc c'est vrai qu'on a moins d'hommes dans les groupes. Mm-hmm. Et l'homme peut avoir peur très vite de s'il offre sa vie à Dieu de devenir prêtre, de devenir un moine ou de... Et donc il y a cette peur, je pense, pour beaucoup. Peut-être il y a cette peur aussi chez les femmes, beaucoup. Oui. Aussi, c'est vrai. Mm-hmm. Mm-hmm. T'as la chance, hein? Oui. Et s'est marié? Good. Very good. Donc, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur parce qu'en fait, Dieu veut le meilleur pour nous. Ouais. Et Dieu est amour. Donc il veut qu'on fasse cette plus belle expérience de l'amour. Et donc que ce soit le mariage ou la prêtrise ou la vie communautaire, mm-hmm. ce sera la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mm-hmm. Ce sera notre plus beau chemin vers le ciel. Parce qu'en fait, notre vocation, c'est d'aller au ciel. Oui. Qu'on passe par le mariage ou par la vie communautaire ou par la prêtrise, mm-hmm. c'est le ciel. Donc peu importe la vie sur terre, il ne faut pas s'attacher à la terre. Mm-hmm. Bon, après, on a la chance de trouver une belle vocation, puis nous, on est heureux. Donc... Mais des prêtres sont très heureux aussi. On avait le témoignage avant-hier d'un prêtre de la communauté de l'Oasis de la Paix. Oui. Et ce prêtre, il avait la vie, bon, un peu comme moi, il a fait la drogue, il a fait l'alcool, puis il se dit, mais lui, il avait la vocation d'être prêtre. Mm-hmm. Mais son entourage dit, mais c'est pas possible, tu peux pas être prêtre. Regarde, tu bois, tu fumes, tu fais la fête, tu peux pas être prêtre, c'est pas possible. Mais lui, il avait ce désir d'être prêtre, mais il s'est dit, mais comment je vais faire? Je peux pas, j'ai une double vie, comment je fais? Mm-hmm. Et puis un jour, voilà, petit à petit, il a réussi à vraiment se dire, ok, je vais à la confession, je vais essayer. Mmh. Et là, il a pleuré, il a vécu une conversion, une résurrection. Il a été débarrassé de ses addictions, mmh. et il a pu s'ouvrir la prêtrise. Et c'est un prêtre rayonnant qui a la joie, qui donne envie d'être prêtre presque, tu vois. Wow. Non, je te rassure, je vais te parler à un bon mari. On a un très beau témoignage. Oui, et comment vous deux savez que vous êtes prêtre pour un, pour l'autre?
Ah ben moi je l'ai reçu à la confession en fait, que ma vocation c'était ça, c'était le mariage. Mmh. Et en fait quand on s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. Mmh. Mais vraiment ça a été... moi j'ai pas compris. Et en fait, j'ai lu plus tard dans un livre, c'est un prêtre qui l'a écrit, il parlait d'un coup de foudre physique. Donc, par exemple, tu vois une personne, tu la trouves attrayante, tu te dis bon, « pourquoi pas essayer avec elle ?» Et puis, tu as un coup de foudre, tu comprends pas. Il dit un « je ne sais quoi » qui fait qu'en fait, tu as envie d'être avec la personne. Tu es attiré, mais en même temps, tu es un peu timide. Voilà. Et ça, c'est le coup de foudre des âmes. Et pour nous, vraiment, ça a été ça. Des âmes sœurs. Oui. Oui, en fait, moi, ça faisait un an que je cherchais ma vocation. Mm-hmm. Et j'avais passé du temps à Medjugorje à offrir ma vie, en fait. Mm-hmm. À faire ce que je disais tout à l'heure, OK, Jésus, je te donne ma vie mm-hmm. et je te fais confiance. Mm-hmm. Et je me présentais le plus possible et je ne trouvais toujours pas la bonne personne. Et en fait, voilà, dans le groupe, j'ai rencontré Anne-Lise. Et en fait, je me demandais, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que je me posais la question, mais quelque chose m'attirait et en même temps j'essayais de freiner, j'essayais de dire Jésus t'es sûr c'est ça hein? Mais en fait je sentais nos âmes se rapprocher, c'était une évidence et quand on se regardait dans les yeux c'est évident en fait. Et on n'a pas beaucoup parlé, mais quand on s'est dit au revoir à l'aéroport notre regard en disait beaucoup. C'est un regard qu'on n'oubliera jamais. Et souvent, vous deux, vous avez une relation personnelle avec le Christ et c'est le centre de notre foi. Comment une personne peut avoir cette relation ? Il faut l'entretenir. Comment ? Il faut aller à la messe, mm-hmm. Aller à l'adoration, mm-hmm. se confesser mm-hmm. et prier. Pour toi ? Oui, prier. Oui. Dès le matin, penser à Dieu. De temps en temps, lire la Bible. Mm-hmm. De temps en temps, se mettre au service des autres. Mm-hmm. Vouloir le bien. Tout confier au Seigneur, que ce soit nos peines, nos joies aussi. Mm-hmm. Le remercier. Comme un ami, oui, comme un ami. C'est un papa en fait, c'est notre papa. Incroyable. Et vous avez fait aussi l'expérience, la Vierge veut aussi qu'on s'abandonne à la volonté de Dieu. Mm-hmm. Je le dis toujours, la sixième pierre. La sixième pierre. Mm-hmm. L'abandon. L'abandon. Même expérience ? Oui, l'année dernière, j'ai eu la chance de vivre 5 semaines ici à Medjugorje. Mm-hmm. Comme j'accompagne des groupes, des fois, je me suis pris un peu de temps pour moi et je me suis abandonné. Mm-hmm. C'est magnifique. C'est presque comme ce que les voyants vivent à l'apparition, ils sont en extase. Mm-hmm. Et si vous faites ça, si vous vous abandonnez, ce sera une extase un peu aussi. Ouais. C'est tellement beau, c'est une communion. Chacun, je pense, a des ressentis différents, mais s'abandonner, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Pour toi, comme femme, la même chose, expérience où tu abandonnes à la volonté de Dieu, tu sens paix. Ah oui, complètement. Complètement. Ah bah oui, on a sans Dieu, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans le pardon, on n'est pas dans, on peut pas vivre sans Dieu, c'est pas possible. Mm-hmm. Et à la fin, qu'est-ce que c'est votre lieu préféré ici à Medjugorje? Bonne question. Lieu préféré. Il y a un endroit que tu aimes beaucoup être, les lieux, l'adoration, la montagne d'adoration, la forêt de l'adoration, la montagne en fait, de la foi. C'est avec Dieu, c'est vraiment ouais, à l'adoration, c'est à la communion, c'est à la confession. Ah ouais, la confession. Ouais, moi j'aime. Ah, j'aime bien, moi j'aime. J'aime bien sortir de la confession et me sentir tellement propre, tellement en état de grâce, tellement prêt à communier. Et quand des fois tu sors de la confession et puis t'arrives pendant la messe et t'as la communion juste après, t'as l'impression d'être le plus disposé possible pour recevoir Jésus. Oui, quand tu en sors, mais quand faut y aller... Mais en fait, quand on sait que Dieu nous attend dans le confessionnal et que souvent on a un peu le combat et puis on a quelque chose qui nous retient, c'est là que c'est intéressant d'analyser qu'est-ce qui nous retient. Et... parce qu'en fait, notre but, je pense, c'est de se détacher de plus de choses possibles, de tout. On a une nature pécheresse. Mm-hmm. Malgré nous, on a nos sens, on est attiré par le péché. Mm-hmm. Et analyser nos mauvais penchants, c'est ce moment-là, souvent avant d'aller à la confession, qu'on les sent. Ces choses-là qu'on a du mal à confier, ou des fois, on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop. Mais prier pour avoir cette grâce de savoir quel péché on peut donner. C'est une des plus belles choses qu'on peut faire ici à Medjugorje, c'est déposer ces péchés-là. Oui. Medjugorje était considéré comme le plus grand confessionnel du monde. Il faut voir les confessionnaux comme ils sont remplis, la queue qu'on fait pour se confesser.
Et on voit souvent même, je vois souvent avec les groupes, on vient, on voit des gros bikers tatoués de partout et des gros cuirs. Et ils ressortent en pleurant comme des madeleines parce qu'ils ont fait l'expérience du Seigneur tellement forte. On voit toutes sortes de personnes venir se confesser. C'est tellement beau. Dans le groupe, on a, je pourrais pas dire qui, mais des personnes, ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas confessés. Et ils sont transformés. Le visage, ça se voit. Ils sont décrispés. Ils tiennent des choses tellement lourdes pendant des années. Et ils sortent transfigurés, quoi. On a fait une photo au début du groupe, on fait une photo à la fin du groupe, à la fin du séjour, à la fin du pèlerinage, et on verra toujours la transformation est toujours flagrante. Des miracles à avoir. C'est, oui, c'est, une conversion, une confession, c'est un miracle. Une réconciliation, c'est un miracle. Je ne sais pas si on peut partager, il y a des enfants qui regardent, ou c'est une population, un public jeune qui regarde, ou plus âgé, plus. L'année dernière, on a eu dans le groupe un cas très particulier. Une maman avait, s'était séparée et s'est remise avec un homme violent qui a fait des choses horribles aux enfants. Seulement, cette maman était très attachée à cet homme et elle n'avait pas le courage de dénoncer. Et la maman et la fille sont venues en pèlerinage. La fille avait pardonné à la maman, pardonné à son beau-père. Mais la maman avait du mal à demander pardon à sa fille. Comprenez. On a prié pour ça pendant la semaine. À la fin du pèlerinage, la maman a réussi à lui pardonner, à demander pardon à sa fille. La fille a pardonné et on sent que la maman n'avait pas complètement regretté. Elle s'attachait, elle disait « mais comprends-moi, c'était parce qu'elle avait des excuses ». Et donc le pardon n'était pas complètement fait. Le lendemain, elle a vraiment réussi et là, des torrents de larmes sont tombés. C'était un moment incroyable à vivre. J'étais là en train de participer grâce à l'Esprit Saint à vivre ce moment. C'était magnifique. Et bon, on entend encore des merci de cette un miracle. Parce que c'est aussi ça, c'est Medjugorje, c'est tout en profondeur, c'est blablabla. Vraiment, oui. Ça touche à l'âme en profondeur. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous dites à aux jeunes mariés? Qu'est-ce qui est le secret pour vous d'être ensemble? L'amitié, l'amour, ça se bat. Il faut rien dire. Il faut. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, avant de se marier, on est 1 plus 1, mm-hmm. et après, il y a le nous. Mm-hmm. Et il faut prendre soin du nous. Le nous, c'est la priorité. Mm-hmm. Pourquoi? C'est toujours faire passer les besoins de l'autre avant soi. C'est compliqué à faire au quotidien. C'est un vrai exercice. Mm-hmm. Savoir écouter l'autre, ne pas anticiper ce que lui voudrait sans l'écouter. Et pardonner. Super. Et à la fin, qu'est-ce que vous dites pourquoi Medjugorje? Pourquoi venir ici? Moi, bon, c'est parce tellement que... évident. Pourquoi venir? Bah, parce que la Sainte Vierge nous appelle à venir ici, tout simplement. C'est un lieu de grâce particulier. Ouais. Il y a tellement de grâce à recevoir. On va dans beaucoup de lieux de pèlerinage différents. On fait des pèlerinages un peu partout. Partout où il y a un pèlerinage catholique, on peut y aller. Mm-hmm. Mais ici, la grâce est en abondance, vraiment ça se sent, tout le monde recherche cette grâce, tout le monde recherche cette paix, recherche cette humilité, tout le monde vient montrer ses blessures et demande guérison, et tout le monde reçoit beaucoup aussi, et ça se sent, c'est dur à expliquer cette sensation, mais ça se voit, ça se ressent à travers les échanges. Quand on demande à la plupart des pèlerins, c'est pas la première fois qu'ils viennent, hein. C'est 3, 4, 5, il y a des nouveaux. Dans chaque groupe, on a la moitié environ de nouveaux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a la moitié qui revient par besoin, puis il y a la moitié qui découvre. Ils reviennent avec des gens qu'ils connaissent. C'est ça. Ils les amènent. Mm-hmm. Parce qu'ils leur disent, regardez, venez voir, il faut faire l'expérience. Quoi. Mm-hmm. Le faire comprendre des fois par message, on essaie de le faire par ce témoignage, mais venez faire l'expérience ici à Medjugorje, vous ne regretterez pas. Exactement. Merci pour cette belle interview. Merci.